Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on est là pour une vidéo spéciale Naruto Shippuden sur Fortnite les mecs. Alors, spécial Naruto, voilà, sur Fortnite les mecs, regardez ça. On va aller au village caché des feuilles, au village de Konoha avec Naruto. Bien entendu, Naruto est sorti sur Fortnite comme vous pouvez, vous en apercevoir les mecs, comme vous le savez déjà. Voilà, sans plus tarder les mecs, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, laissez-moi un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et nous, on va aller de suite au village de Konoha pour faire les quêtes, les défis du village de Konoha. C'est parti les mecs, allez, let's go. Nous sommes au village de Konoha. Alors le village de Konoha, wow, il est vachement bien fait, comme vous pouvez le voir. Nous avons les têtes des Hokage, comme dans le manga les mecs, regardez, c'est trop stylé les gars. Avec Mami, vous avez le quatrième Hokage, le troisième Hokage, le deuxième du nom et le premier du nom là-bas. Ensuite, je crois qu'il y a, comme vous pouvez le voir, voilà, il est trop stylé, trop bien fait. Comme vous pouvez voir aussi, vous pouvez voir aussi ici où le Hokage réside. Du village. Alors j'ai déjà rempli deux quêtes, comme vous pouvez le voir aussi. J'ai rempli une quête, la deuxième quête, et là nous allons pour la troisième quête. Voilà la troisième quête. Sakura, la quête Sakura, c'est parti les gars. Alors on va aller faire la quête de Sakura les mecs. C'est... On est parti. Ah, la quête de Sakura. Alors, la quête de Sakura. La quête de Sakura. On va aller rejoindre Sakura. Elle est là Sakura. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je crois qu'il faut chercher des médicaments parce que elle fait partie des ninja médecins. Là, je cherche là. Est-ce que je peux entrer là? Oui. Alors là, là. Alors, est-ce qu'il a caché des feuilles, les mecs? Alors on va aller là, on va monter en haut, on va essayer de monter en haut pour voir un peu ce qui se passe. Apparemment on a des endroits marqués, regardez là. Et voilà, ça fait là aussi. On doit avoir d'autres endroits marqués. C'est obligé. Voilà, normalement on a d'autres endroits. On est allé, on aide Sakura à apporter les herbes médicinales apparemment à des gens, sûrement. Puisque je crois que c'est ça. Moi je comprends pas très bien l'anglais, mais je crois qu'il me trompe pas dans ce que je dis. Hein. Je crois qu'il fallait faire ça, voilà. Les armes médicinales, je crois que c'est ça à des gens. Donc là-bas, regardez, vous le voyez là-bas? Là-bas, je crois qu'il y en a un là-bas. Allez. Là le trait, voilà, le trait me l'indique, Je crois que. Et voilà, ma quête a été toute validée. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est aller là. Ma quête est validée, parfait. Allez hop, on a validé la quête de Sakura. On va s'attaquer maintenant à la quatrième quête, les mecs. Puisque les deux autres quêtes, je les ai déjà faites. C'est la quête de trouver les parchemins de Naruto. Et la quête de Kakashi, où il fallait jeter une espèce de peinture sur les personnages, sur des mannequins de bois. Bon alors, un peu partout, quoi, il fallait se balader. Alors là, voilà, j'ai terminé ces trois quêtes. Il me reste deux quêtes à faire. On va faire la quête de Sasuke et surtout la quête de Sasuke. Alors, on va rejoindre Sasuke. On va cavaler un peu plus vite. Voilà, et on va rejoindre Sasuke au portail. Voilà. Sakura complète Sakura Kento. Voilà, alors, Sakura a été complétée, la quête de Sakura, donc forcément, wow, regardez, trop beau l'image, l'image de l'équipe 7 avec Naruto en mode Kyubi, les mecs, en mode Kyubi, où il utilise la puissance du démon, la puissance de Kyubi Kurama. Alors là, on est à la maison des Uchiwa. Des Uchiwa, alors, quelqu'un a cherché. Ah, un kunai. Ah, c'est des kunai. Il faut que je trouve tous les kunai, c'est ça? Voilà. Ok.
Si je retrouve les kunai, c'est bon. Et voilà. Ah, c'est pas que des kunai, c'est des trucs. Ah, Marc Stolenbock. Ah, ouais, mais c'est des trucs qu'il a perdu ou quoi? Parce que c'est bizarre. Hein. Kunai, c'est pas que des kunai, regardez, j'ai trouvé ça aussi. Voilà, je vais retrouver les trucs, alors c'est pas ça. On va essayer de voir ailleurs. Alors, on va trouver d'autres trucs, objets. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Est-ce qu'il m'a dit que d'autres. Alors, un kunai, une espèce de livre. Bon, là, qu'est-ce qu'on a ici? Encore un livre. Continuer. Et ça y est, go back to Sasuke. C'est bon, on a fini la quête de Sasuke. Et on va partir maintenant pour justement valider la quête de Sasuke, les mecs. Ouais, j'ai la bougie ou quoi? On va aller chez Sasuke. Hop, quête validée. Sasuke, sa quête, la quête de Sasuke est validée. Vous voyez, c'est trop stylé les mecs, franchement c'est trop bien fait, trop beau, moi j'adore, je kiffe, je sais pas vous, mais moi je suis en train de kiffer la map du village caché de Konoha les mecs, c'est trop beau. Alors on va retourner voir les quêtes les gars, on va retourner voir les quêtes, parce que je crois que c'est la dernière, et oui c'est la dernière quête celle-là les mecs, la toute dernière quête les gars, on va aller la voir, elle a l'air trop bien. On va aller voir la dernière quête, c'est parti pour la dernière quête. Alors la dernière quête, le tableau des quêtes, voilà, comme vous pouvez le voir, il reste une dernière quête. Quête 5, compléter 4 quêtes. Oh, que ça fait. C'est parti. Alors là, il faut aller apparemment. Ah, il faut remonter en haut apparemment. Remonter en haut. On va aller voir notre Kage sûrement, parce que là j'ai rien compris ce qu'il faut faire la vérité. En plus j'ai pris le skin Naruto et Naruto à la base il comprend que dalle. Oh, je suis avec Kyubi. Oh, regardez le chakra de Kyubi, je suis dans, vous savez quand Naruto il est dans son esprit quoi, il est dans son, au fond de Kyubi, regardez les dessins. Oh. Kyubi qui est dessiné. Oh, il est trop bien dessiné, franchement. Kyubi est trop bien fait. Oh, regardez ça. Oh, Kyubi, frère. Oh, il est magnifique, Kyubi. Oh, là, là. Trop bien, le démon renard. Oh, Kyubi. Oh, là, là. Regardez ça. Il est trop bien fait, Kyubi, les gars. Avouez-le. Combien vous notez dites-moi en commentaire combien vous mettez-vous en note pour cette map, est-ce que vraiment elle respecte le manga Naruto et Naruto Shippuden? Moi j'aurais mis 10 sur 10, moi je mets 10 sur 10 les gars, il est trop bien fait, voilà, et le manga, le truc, mais bon, alors oh, il faut appuyer, c'est trop bien fait les gars, voilà, je sais pas ce qu'on fait, je crois qu'on va prendre la puissance de Kyubi. Eh ouais, on a pris la puissance du démon renard. Regardez ça. On a pris la puissance du démon renard. C'est trop bien, les gars. On a pris la puissance du démon. Du démon renard. Trop bien. Là. Alors. Team for you, Alp, Village, alors dans le village il y a des trucs apparemment à chercher sûrement, je suppose, parce que c'est voilà. Alors là, alors j'ai la puissance de Kyubi, là j'ai la puissance de Kyubi, alors je sors là. Ouais, j'ai la puissance de Kyubi maintenant, j'ai réussi à extraire le chakra du démon là. Et là, on va voir. Et les quêtes ont été complétées, les gars. Voilà, on a fini toutes les quêtes, apparemment. Voilà, une fois que vous êtes ici, les gars, et que toutes les quêtes sont accomplies, c'est-à-dire la quête de Naruto, la quête de Kakashi, de Sakura, de Sasuke, et la dernière quête, accomplir les 4 quêtes pour pouvoir accéder à la 5e quête. Voilà, les gars, une fois qu'on a tout fait, comme je vous ai montré,
Voilà. Bon, je suis désolé, les deux premières quêtes, c'est vrai, je ne vous les ai pas montrées parce que je les avais faites hors vidéo et je pensais pas que, en fait, une fois qu'elles étaient faites, elles étaient validées, on peut quitter, revenir et elles sont validées. Ça, je ne me rappelais pas. Mais regardez, voilà, je vous montre. Alors, une fois que vous avez validé toutes vos quêtes, vous venez ici. Ici, juste où il y a la maison de Sasuke. Et vous pouvez accéder à tout endroit. Alors, Sakura, alors on va procéder par là, on va aller voir Naruto Reworld, on va aller voir la maison de Naruto. Regardez, nous sommes ici où il y a avec une image avec Sakura, Naruto, Kakashi, comme vous pouvez le voir ici. Et nous avons la maison de Naruto. Regardez la maison de Naruto, enfin la maison de Naruto et de Hinata dans Boruto, Naruto Next Generation. Il est marié avec Hinata et du coup. C'est la maison de Naruto et de Hinata, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Nous avons Naruto. Maintenant, nous allons voir Kakashi. Alors, Kakashi, ce n'est pas sa maison, mais c'est l'endroit que je vous ai déjà montré. Voilà, où on voit ici, où on voit qu'ils ont fait ben, dans l'arène, quand ils se battent pour l'examen des Chunin. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va accéder alors Kakashi. Après, c'est Sakura. On va aller voir Sakura. Alors, Sakura, ben, l'image, rappelez-vous, c'est ici la maison de Sakura avec de Sakura et de Sasuke. Ensuite, nous allons voir. Sasuke. Et nous tombons dans la vallée où il y a les plus grandes batailles qui se sont affrontées à Hashirama et le premier Hokage du village de Konoha. Ils se sont affrontés ici et aussi Naruto bien entendu avec Sasuke qui se sont affrontés bien entendu dans cet endroit les mecs. Ils se sont affrontés ici, rappelez-vous, les images. Regardez comme c'est beau les dessins qu'il y a. C'est magnifique les mecs. Puis voilà. Je crois que je vous ai tout montré les gars. Voilà, je vous ai tout dit. Je crois que je vous ai tout montré en fait. Voilà. Tout bêtement. Je crois que je vous ai tout montré. Voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Laissez-moi un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de la map, dites-moi si vous êtes des fans de Naruto, si vous trouvez ça réaliste par rapport au manga. Moi personnellement je leur donne une note de 10 sur 10, dites-moi à vous la note que vous mettez sur 10. Voilà. Sur ce les mecs, ben, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss les gars!